balade dans une rue perdue de Kyoto, loin de l'invasion des touristes. Oh, j'ai parlé trop vite parce qu'il y en avait deux à côté de moi, comme quoi les touristes s'enfoncent des fois aussi dans les coins paumés. Un temple parmi tant d'autres. À Kyoto, il y en a 1400, donc il y a l'embarras du choix. Ah, une geisha. Ou presque, elle n'était pas assez maquillée. Ah, un marché. Mais comme je suis pas passionné de shopping, ça tombe pas trop bien. Un vrai trésor. Il y a de bout de rue. Oh, je crois bien que je vais m'arrêter là pour manger. Enfin, je reviendrai parce qu'on va prendre l'entrée d'un temple dont je vais vous donner le nom. J'avais vu tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié, parce que les noms japonais sont pas forcément faciles à retenir. Mmh.
comme à l'entrée de presque tous les temples, des lions. Des lions sont là pour garder l'entrée. Avec une tête généralement très agressive. Pour protéger le temple des démons. Alors que je vous dise, ce temple, c'est le, tandis que je regarde, que je me situe sur la carte, c'est le, je crois, Kitago Tamangu Shrine. Bon, je vous laisse admirer l'entrée. Pour le reste, je prendrai un certain nombre de photos. Maintenant, je vais retourner vers mon plat parce que ça me donne faim. Et je compte vous filmer aussi un étalage. En anglais, on dit ça « many people ».